Bonjour à tous. Il y a un tunnel en fait, attends. Ouais. J'ai pas fini de vlogger hier parce que qu'est-ce qu'on a fait hier après avoir fait les photos avec les Beatles, on s'est posé un peu près d'un petit parc. Puis on est rentré à l'hôtel assez tôt. On était crevés. On a hyper mal dormi. D'arriver, on a fait à peu près 10 km, on est passé en dessous de la mer, le Space Park est derrière moi. En fait, vous pouvez aussi le faire en ferry et en bus, donc c'est bien si vous n'avez pas de voiture. Et apparemment, il y a Brighton Port, apparemment c'est un petit port où on peut manger du poisson et se balader près de la digue. Je pense qu'on va faire ça aujourd'hui puisqu'il va faire chaud. Donc voilà. Je vais pas beaucoup filmer à l'intérieur les gars parce que j'ai plus beaucoup de minutes. Et voilà, je vous expliquerai après comment c'était. Fais attention, il y a une marche. Hein. Alors on est sorti du Space Park. C'était vraiment chouette. Si vous avez des enfants, il faut vraiment le faire. Enfin, même si vous n'en avez pas et que vous êtes fan de l'espace, on vous conseille pas trop cher, bien. Par contre, il faut compter 2 heures pour la visite. Et si vous allez en voiture, il y a un payage avant d'arriver à Brighton qui coûte 2 shillings aller et 2 shillings retour. Donc prévoyez ça dans votre budget en plus. Là, nous, on est revenu. On s'est arrêté manger chez The George's Church à Liverpool. Donc. Et j'ai froid. J'ai pris un fish and chips. Premier fish and chips du séjour. Donc voilà. Je suis pas trop bien les amis, j'ai fait un gros malaise. Je suis trop fatiguée je pense. Donc voilà. L'endroit est trop bien. Regardez. J'aurais voulu être assis là-bas. Mais bon, c'est pas loin et c'est trop bien. C'est pas loin et c'est trop bien. Une paille comme ça qu'on dit. Cottage pie anglaise. Ça a l'air bon. Et moi, un fish and chips et des burgers. Voilà. Et voici l'adresse si jamais. Voici la métropolitaine cathédrale de Liverpool. C'est un truc de malade. Un trampoline. Il a vu un trampoline, nous salue.
La bibliothèque centrale de Liverpool, c'est juste un truc de malade. Je vais monter pour voir. J'arrive. Un petit peu ce que ça donne. On vient juste de faire le World Museum. Franchement, c'est un truc de dingue. C'est un musée vraiment interactif avec on cherche l'escalator. Cette bibliothèque est incroyable, j'ai jamais vu un truc pareil de ma vie. Par contre, je prends mon fils et je vais chez le rayon enfant pour garder ce que je trouve. L'histoire de Tudor et de Stuart, j'ai même pas cherché, il était là sous mes yeux. Ceux qui ne savent pas, je suis une très grande fan des Stuart d'Écosse. C'est dingue. Et il y a une page sur Marie, juste ici. Oh, voilà. Mais franchement, ça c'est trop fort. Cette bibliothèque est géniale, les gars. Et la partie la plus ancienne est magnifique. Ce vlog à Liverpool est terminé. Nous avons passé 2 jours dans cette ville magnifique. Si vous avez l'occasion d'y aller, allez-y. Foncez, c'est une ville vraiment géniale. Il y a d'autres vidéos qui arrivent sur notre road trip en Angleterre. N'hésitez pas à liker, à vous abonner et à partager si vous avez aimé le contenu. Je vous fais des bisous et je vous dis à très vite dans les prochaines vidéos.